Salut à tous, sinon voilà pour la deuxième partie de Majora's Mask. Bon là on est allé directement à la piste de course des Normands. Voilà. Tu es venu de la ville à pied? Il n'y a que ce genre de type qui nous revient de la ville en ce moment. Ce n'est pas un endroit où tu pourrais te cacher. Tu veux que l'ami va s'accrocher? C'est stupide. Les frères Normands sont ajoutés au journal. Alors, ces frères représentent le truc typique des ploucs, quoi. J'ai entendu dire que des créatures étranges sont apparues près d'une autre manie. Toutes leurs vaches ont disparu. C'est un endroit dangereux. On dirait qu'on est les seuls à avoir du lait dans le coin. T'en veux, petit? Je peux te vendre. Non, faut pas en acheter, hein. On dit tout de suite, il y a à moitié coupé avec de l'eau. Il est aussi bon, te coûterait deux fois plus cher, hein. Oui, c'est vrai. Mais non, ils font pas les courses, hein. Pas là. Non, ils font le premier jour, le deuxième jour. Bon bah tant pis, hein, tu fais le champ, on revient dans le passé. Oui, là on a plus rien à faire ici. Voilà, donc on revient dans le passé. Premier jour, on va aller directement, bah, on va faire les grands. Donc, et on continue les sons, on a fini les quêtes secondaires qu'on pouvait faire en fait. Ah, le plus simple à faire, les autres sont pas nécessaires maintenant. Oui, voilà. Enfin, non, mais il y en a. C'était vraiment masque. Oui, voilà. C'est... Non, mais le plus important. J'ai pas rentré mes 40 rubis. Bah, tant pis. Eh mince. Tiens, attention, on va voir les rubis qui partent. Tant pis, c'est 40 rubis, c'est pas plus. C'est 150. Mais oui, donc je disais, le masque le plus important, c'est quand même le lapin. Ouais, les bombes et tout, bah, parce que ça permet de débloquer des trucs. Donc voilà, c'est parti. Alors, les gorons, faut que tu ailles libérer le chemin ou les libérer, je sais plus. Non, tu ralentis le temps direct. Attention, concentration. Ah non, mais j'aime bien, vu que t'essaies vraiment de chercher au fond de ta mémoire, aux frontières de... mes souvenirs. De tes souvenirs. Vraiment, je vois, il penche sa tête sur le côté, puis il regarde un point dans le ciel, puis il dit... Qu'est-ce que c'est déjà? Dans le ciel. Bah, dans le ciel. Tu vois le ciel d'ici. Sur le mur, oh, tu cherches un point dans le vide, c'est trop bien. Mais laisse-nous passer. Oui, c'est ça, casse-toi. Non, merci, c'est une vraie cascade. Je te jure. Pas là qu'on voulait enfin, faire le tour, c'est pas grave. Oui. On est super rapide, on s'en fout. Ouais, mais avec Ipona, ça serait des fois plus vite. Alors, après Goron, il faut absolument Ipona, mais non, on n'y est pas encore. Mais il faut absolument Ipona, sinon on peut pas accéder au monde des aurores. Ouais. C'est vachement bien ce jeu parce qu'en fait, tu vas vraiment suivre les étapes pour aller à truc. Pour aller d'un donjon en autre, sauf que t'avais quelqu'un que t'avais dit sans rien, qui avait prouvé qu'on pouvait faire les boss en une seule journée si on peut aller à la moitié de chaque donjon pour obtenir l'objet clé, comme là c'était l'arc. Et que. Non, là c'est faut que tu glisses quand t'as un gros Valentin. Ouais, faut que tu descendes en bas. Non, non, c'est là. C'est là, mais il faut que tu descendes en bas et que tu remontes. C'est juste que quand t'es un Goron, tu peux aller plus vite. Encore en toute vitesse. Oui, alors je vais vous dire, oui, qui disait que si on tient que les objets des donjons et qu'on repartait pour faire autre chose, etc., on pouvait débloquer les 4. Eh mince. Je sais pas si lui il donne des flèches. Faut attaquer la queue. Mais t'as un truc là. C'est quoi déjà ça? Bah je sais pas, mais subtilement là, il y a un truc de on voit bien la musique. Je m'en souviens plus qu'il y avait une musique. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Qu'est-ce que... Oui, si tu le vois pas. C'est... Droite, A, haut, bas, gauche, bas, haut. Alors. Tu veux que je note? Attends. Droite. A O O. Moi je me souviens. Droite A O O. Attends. Mais j'étais concentré dessus. Voilà. Attends, tu sens. Droite. O O. Link, pousse-toi. Je triche moi. Vu pour ça. Ah oui.
du fric. C'est juste, ça donne de l'argent parce qu'il y a le symbole de Skull Kid qu'il a dessiné. C'est tout. C'est pas mystique mais... à prendre. Non, moi, je crois que tu vas falloir t'aller chercher un arbre. Encore un con. Bouf. Ouais. Oh, reviens en arrière. Link, ils sont pas prêts. Non, faut que je remonte. Normalement, sur la... la partie du haut, il y a des... des mecs qui peuvent m'enfiler. T'es sûr? Sans. Bon, là, t'es dans le terrain des auras, en fait. C'est celui-ci, y'en a pas? C'est une mina, mais ça, c'est de me faire tuer. Non, mais c'est pour faut pas y aller, tu vas pas. Couper hein. L'herbe et tout. Vas-y. L'herbe. L'herbe. Non, mais en fait, on ah, bah c'est 10, c'est bon, allez hop, on se casse. On va faire ici. Allez hop, on se casse. On se casse. Non, je vais tuer ça. Oui, oh mince, j'avais pas vu tous les cœurs qui te manquent. Ma Z. C'est le Dumango qui m'a fait super mal. Ah, ouais. Oui. Ils sont chiants à tuer. Tu peux les tuer soit avec les bombes, soit avec l'épée. Ou leur foncer dedans avec un goron. Oui, bah les gorons, ils tuent tout le monde, ils sont surpuissants. Hein. Ah, mais c'est là qu'il y a le boss contre. Ah, ça, j'aime bien le boss qu'il y a dans ce donjon là, il est génial. Bah, c'est quasiment les plus faciles. Ouais, ouais. Puis l'original de comment il faut le tuer, faut faire tout le tour de l'arène et tout, ça c'est génial. Voilà, faut tuer ça en haut. Je vais pas toucher grand chose si je fais ça. Si, attention. Voilà. Et encore un coup. Encore un coup. Voilà. Et voilà, ça tombe dessus tout. Comment casser de la glace? Avec de la glace. Ça fait de la glace pied. Quoi? Je hoche ma tête. Tu as compris. Donc ça y est, on commence à rentrer dans le terrain du froid, de la montagne, de la glace. Pratiquement un des terrains le plus long avant un donjon. Si vous que le donjon est relativement court. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que... terrain alors... non mais tu peux ignorer les ennemis, hein. C'est la peine de tous les faire. Hein. De tous les faire. Hein. Mais je veux qu'il y en ait un qui me... Non mais moi je voudrais voir si les boss refaits en... avec la 3DS, je les ai pas vus moi. Là faut que je dise ah bon. Ah non, si tu passes en bruguant, là je me mets en colère. Non, faut faire une bombe. Faut faire une bombe. Oui, bah, elle te le dit en plus, Taya. Mais ouais, tu vas prendre une bombe. Bon, bah. On t'aimait, Link. Enlève ton chapeau. Non, il reste en moi. Bon, bah. Sur ta tête, c'est ça que tu veux dire? Il reste dans mon inventaire. Tourne, voilà, tu montes. Et t'as des... il te reste que 2 PV, hein. Je veux pas dire, mais fais gaffe. Hein. Mais non, tout va bien. Mais oui. Oh là 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 là. Attention. Non mais franchement, j'ai vraiment... Moi c'est le boss là qu'on va combattre, je voudrais bien le voir en 3D, sur 3DS, de toute façon on va l'acheter dans le... Ah oui. Le jeu. Par contre, c'est la nouvelle 3DS, ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'elle n'y ait pas la 3DS, la nouvelle 3DS normale, ouais, aux États-Unis. Ils ont la 3DS, la new 3DS XL, mais ils ont pas la normale, je me crois que... pas. Bon, après des générations... Enfin des générations, oui, de jeux... où Nintendo a préféré donner le meilleur truc aux Américains, tu vois, pour une fois là, je suis assez content, tu vois, qu'on a enfin quelque chose d'intéressant, parce qu'à chaque fois on était le pire du pire, quoi. Ah, tu veux dire de plus un avantage par rapport à eux? Ah oui, voilà, d'habitude c'est, oh machin, oh bidule, oh machin, oh, à chaque fois ils avaient des super collectors, des machins avantageux, tous les trucs en bonus, des jeux qui sortaient chez eux que nous on voyait jamais arriver. T'as un goron normalement avec un masque de grenouille. Mais il faut pas. Faut lui apporter de la viande gelée à manger. On a un village goron.
Ouais. C'est les deux forgerons, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Ont la super épée et eux aussi ils sont gelés. Ils sont super froid. Du coup ils peuvent rien faire. Ouais. Go, go, go. Justement, on aurait devenu intéressant. Ah. Bienvenue à la forge de la montagne. Là où il n'y a plus grand chose à faire, mais bon, je suis Zubora, le propriétaire. Go, go, go. Ah, mais tu vas la fermer. Le grand là, c'est mon assistant, c'est Kabora. Aussi crétin qu'un bâton mangeau. Wow, putain. Alors, tu es venu pour inviter ton épée? Malheureusement, nous ne pouvons plus travailler. C'est à cause du froid, il y en a le carré ici. Tu vois, notre four est gelé. Tu sais, c'est pas une heure de geler un four. Si tant continue, nous allons pouvoir reprendre les affaires dans le printemps. Ah, si je pouvais faire quelque chose pour ce four gelé. Hugo, Hugo, Hugo. Hein, comment ça? Si nous avions de l'eau de source chaude, nous pourrions faire fondre la glace. T'avais pas comme si tu savais de quoi tu parles, espèce de bâton mangeau. Ah. Ah, il dit que sans le remède, il faut une fois. Il y avait une source de chaude quelque part dans les montagnes. Oh, pas assez foutaise. Non mais genre le plus crétin, c'est celui qui arrive à parler. C'est vrai? L'autre, le pauvre mec, il essaie d'expliquer son truc et il s'est emmerdé, franchement. Y'a, je cherche le piaf. Là, il est là, il est là. Non, là c'est le gros qui va manger. Ouh! Ah, si, merci! Non, non, je suis pas là! Il vous appelle si haut! Mais j'ai tellement faim que je pourrais manger un arbre, je suis coincé ici! Ah, il est si froid! Il est si faim, je crois pas que je vais tenir! Hein. Je voudrais juste manger un petit regard de moi de froid, quelque chose de croquant et dur à mâcher. Un truc qui me laisse un bon souvenir. Pourquoi tu sautes pas? Saute, mec! Parce qu'il est au-dessus de la glace, s'il saute, bah... il meurt. Il va sûrement casser la glace et couler, et il sera mort. Oui, mais quand le printemps arrive pas, il est pas justement... Il est pas justement... Coincé aussi? Oui? Faut que tu montes... Au profond, goron, danger. Les gorons qui ne savent pas nager doivent s'éloigner. Un goron sait pas nager, j'ai jamais vu un goron qui sait nager. Tu sautes de machin machin pour aller chercher le masque? Si, c'est pas là. Hein. Si, faut aller à la montagne, non, elle non, est là. Faut y aller, mais faut avoir la vision. Ah oui! Avant, parce que moi je vais pas faire ça tout ça. Pour pouvoir oui, voir non, mais moi je mets la charrue avant les bœufs, tu vois. Tout de suite, comme je sais que c'est là qu'il faut aller, je veux qu'on y aille tout de suite, tu vois. Allez, non, bah, t'as raison. Non, non, mais t'as raison. Attention, le boss. Et le boss, c'est les loups-garous. Hein, ouais, ouais. Enfin, ça, plutôt loulou-garous. Parce que c'est plus des loups que. Oui, que des garous. Ah ouais, super classe l'esquive. Normalement, t'as une personne gelée aussi ici. T'as pas une source d'eau chaude quelque part dans un rocher? Non, la source d'eau chaude, elle est au sommet de la montagne avec l'autre. Non, elle est là aussi, là. Ça la rapproche. Voilà, on va avoir une autre... Voilà, voilà. Donc, faut qu'on aille chercher notre notre chouette. Oh. Et la goron. Les pauvres vieux qui ont envie de... Ah. Pourquoi la chouette? J'ai trouvé la chouette. Mais non, t'as le grand hibou qui va te parler, qui va te donner le monocle, qui va te dire oui, les vérités ou je sais plus quoi. Je vais ouvrir la porte d'un écrasement quand même. Je vais trouver ça. On ne rentrera pas dans le cas. Mais... Oui. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Attends, je suis plus loué. Tu descends. Directement en bas. Tu descends. Je sais pas s'il est descendu du bon côté en fait. Je crois qu'il fallait descendre derrière lui. Vas-y, vas-y. Ouais, fallait juste, il est juste au-dessus, fallait descendre. Bah alors, les oreilles de lapin, mais ça court pas vite, hein. Tout là-dedans. Non, t'as pas de réponse. Là-dedans, dans la tête. Ouais, dans la tête. Hey. C'est une insulte. Et moi, je cherchais un truc pour répondre, donc tu dois avoir un petit peu raison. Kikati. Ah, fonce pas trop.
trop, tu vas te casser un neurone. T'as pas raison. D'accord. Non mais sinon... Ouais. Sinon, qu'est-ce que t'en penses, toi, ce que font Nintendo pour le nouveau Zelda? Bah moi, je veux dire, c'est génial. Oh non, il y a beaucoup qui se plaignent parce qu'il y a certains éléments graphiques qui ont changé. Bah, c'est normal, la 3DS n'a pas les mêmes capacités de luminosité pour le rendu de la luminosité que la 64. La 64 avait un truc assez spécial qui avait énormément de contraste. Ah oui, ça c'est... Les pauvres, tous les pauvres gorons qui souffrent. Ouais, parce qu'il y a un bébé qui pleure. Franchement, le gamin, moi j'aurais trouvé un moyen de lui mettre le silence, mais bon. Eh, hey, vous pouvez dire quoi, moi j'ai deux paires d'oreilles. Hein. Non. Si quelqu'un m'ouvre quelque chose. Oh, ça résonne dans ma tête comme les gouttes dans la montagne. Oh, ça fait gaffe. Vous inquiétez pas. On dirait que c'est bon, il ne se dérange pas. Je l'ai entendu jusque dans mon estomac, ça résonne dans tout mon corps. Ah, il sent Pierre. Bah oui. En bas, il y a un marchand, non? Ah, non. Oh, comment faire avec style? Ouais. Comment faire avec style? Oui, mais j'ai foiré. Normalement, un vendeur, voilà. Ah, là, autre chose. Bah, c'est quoi cette façon de parler à tes clients? Non, mais bon, bah, je me casse, hein, j'ai rien à te dire. Je veux pas dire, mais la texture vachement étirée à la fin. Oui, oui, t'as vu aussi, hein, le... Vortex. Ah bah, ça me met dans la mauvaise direction, sympa. Bon alors, voilà, oui. Ça, c'est pour faire les plantes, les feu, ouais. C'est pour réchauffer, non? Parce qu'il a froid. Je sais qu'il veut voir son grand-père aussi. Non enfin, je sais qu'on reprend genre le début de la mélodie, truc comme ça. Ouais, ouais. Ah, ce gamin, il fait tout le truc. Là, c'est quand on est un gros. Ouais. Ah, les plateformes jaunes comme ça, c'est, de toute façon, c'est quand t'es un gros. Et sa grand-mère est gelée, son grand-père ou sa grand-mère est gelée quelque part dans la nature. Oui, papa, je suis vraiment papa. Ah oui, son père, il est mort. Ah bah, dis donc, tu vas franco, toi, Tu vas pas par quatre chemins, oui, son père, il est mort. Ah non, 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 faut être goron. Et tout, Et il met le feu là-haut. Voilà. Faut charger à fond son attaque et rouler. Ou tu peux pas le faire en courant avec la baguette? Non, c'est en étant humain. Tu sais pas sinon les flammes. Il y en a où? Ah, tu viens en goron. Il y en a nulle part ici des flammes, Cassie. Ah ouais. Donc, faut être en goron, charger à fond, foncer. Alors, faut aller où maintenant? Je me souviens plus. Maintenant, là où il faut aller, c'est par là-bas. C'est quand il y a le gros hibou, la grande. Là, là. Voilà, c'est lui. Gamora. Salut, toi. Voilà. Ah. Vas-y, tu peux lâcher. Salut. Wouhou. Comment on se retrouve au fond des fées? Mais ça t'est étonné, Oui, un peu. Oui, il semble que tu as la force de changer les choses dans ce pays. Comme je m'y attendais, en fait. Vive la révolution. Mais la route de Mandro est encore très dangereuse, de nombreuses crocs attendent, tout autant que tu sors des gorons. Ah bah ça je sais hein. Des gorons qui riment avec un autre mot, des gros, mais je dirais pas, c'est mal pour les... Leur pays mouline, il est condamné pas. Non, il est condamné à être. Excuse-moi, je sais plus parler, je suis un hibou en même temps. On est trouvé par le froid, Ça va devenir un pays dévasté où rien ne pourra survivre, à part moi, mais bon, moi je me casserai ailleurs, m'en fous. On aura du courage de faire attention pour surmonter les épreuves terribles qui t'attendent. Si tu veux faire. Si tu peux. Je veux dire. Ce qui va faire appel à ce qu'il y a de meilleur en toi. Et alors seulement tout ça ne sera qu'un jeu d'enfant. Alors, veux-tu essayer? Bah oui. Eh? Ouh, tu en as fait plein de ressources. Rien. Je suis pas chaud en même temps. Très bien, peut-être. As-tu vraiment le pouvoir de changer la destinée du peuple de la montagne? Je vais m'envoler dans les cieux. Mon vol va te mener. Ce temple ancien. Suis-moi, je t'ouvre la voie. Ne te fais pas abuser par les impatiences. C'est toi qui par ton intuition. Je s'ouvre. Le chemin s'ouvrira sous tes pieds. Es-tu prêt? Suis-moi de près.
Oui, alors en fait, parce qu'on va voir. On se casse. Youhou. Allez, en fait, il perd des plumes. Et il faut. Oula. Fais ton instinct, mais pas trop près quand même. Ça glisse, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Oh, mais t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Yeah. Ouh, j'ai maintenant la preuve de ton pour l'encourager, ça va son petit. Et tu pars dans ta barbe ou quoi? Ah, je vais aller plus vite. C'est pour quoi? Je représente ta sensation. Mais non, on se rend dans ton aventure, on voit quelque chose qui te sort dans la suite, tu sais d'où je vais revenir. Pourquoi est-ce speedé comme ça? J'ai rendez-vous, adios. J'ai rendez-vous avec une belle chouette. Oh, oh. Ça va être chouette. Ah, j'ai plus marche ce soir. C'est quoi? J'ai plus marche ce soir. Oh mon dieu, Valentin. Mais il faut aller dans les plumes, si vous voyez ce que je dis. Oh, oh. Ah, j'ai oublié que t'avais 8 ans, Link. Je me casse. Allez hop. Et là, on a le monocle de vérité. T'as dit quoi? Monocle de vérité? De vérité, de vérité. Moi, je peux pas dans ma barre comme toi. Non, mais tu sautes des Non, mais au lieu de te fiche de moi, t'as qu'à te regarder, hein. Peut-être t'écouter. Ah, c'est vrai que je suis beau. La seule chose qui est réfléchie dans le miroir, c'est le miroir. Non, je veux dire, quand tu te regardes dans un miroir, la seule chose qui réfléchit, c'est lui. Voilà. Oh. Oh mon dieu, tu m'as tué. Bah pourquoi ça m'a spawn? Je peux même pas bouger avant de tomber. Ouh, classe. J'ai essayé de faire demi-tour alors quand ça, je suis tombé. Oui, je sais, j'ai vu. Mais tu fais frais. Tu t'attends un petit peu, tu te places mieux. Oh, c'est peut-être parce que t'as les oreilles de lapin. C'est toutes les oreilles de lapin, effectivement. Enlève-les. Link. Attention, moi j'ai jamais eu autant de problèmes avec un terrain comme ça, j'ai jamais eu de problème. Et c'est toi qui vas avoir autant de trucs avec, franchement, alors je dis chapeau. Hein. Mais non. Ah non. Putain, c'est vrai. Ça doit être les voir qui me dérangent. Ça allait mieux quand je les voyais pas. Oui. Non mais... Mais je fais ce que je peux, hein. T'es facile. Passe-moi la manette si t'es pas capable. Mais tu vas te faire voir. Oui, bah c'est ça. Attends, et toi t'es même pas capable de voir. Mais regarde, tu te sens trop bien, c'est pas compliqué. Oh, attends. Une petite seconde d'interruption. Je lui dis, va te faire voir. Il dit, toi t'es pas capable de voir. Alors j'applaudis hein, quand même. Là, chapeau. C'était bon. C'était bien trouvé, bien envoyé. Pourquoi? Alors là, on a encore un fantôme. Oh là, tu es étrange, tu peux me voir? Je t'ai vraiment voir. Non, suis-moi. Oh, j'ai des petits pieds. Non, il a plus de pieds, hein. En fait, par qui il a été tué? Bah, à ton avis. C'était Skull Kid? Bah, à ton avis. Quel connard qui s'amuse à tuer tout le monde et à faire chier son monde. Parce que Skull Kid a fait des conneries, mais il a pas allé jusqu'à tuer quelqu'un. Bah, si. Ah bon? Ou alors il l'a empêché de s'en sortir et du coup il est mort dans son coin, c'est un truc comme ça. De froid, ouais, c'est pas plutôt ça. Que... Ça j'aime bien l'effet oracle de vérité. Bon, tu connais le chemin, faut vraiment que tu le suives. Bah oui, parce que si j'avance trop ou trop derrière, il s'arrête. Oh, je te jure. Yo. Il te reste que deux cœurs. Tiens, dis, hein. Bah, c'est déjà plus que la majorité. Vraiment, t'as pas des vies. C'est déjà double de la majorité des gens. T'as vu des gens qui avaient des parties hein où ils avaient qu'un cœur? Ah d'accord, ça y est, j'ai compris la... j'ai compris la blague. D'accord, oui, les gens n'ont qu'un cœur, oui. D'accord. J'ai compris. Yes. Je me sens bête. Très bête. Vraiment. T'as qu'à faire des blagues vachement plus faciles à comprendre. Mais va voir ailleurs, Médor. Allez, couchez. Il faut t'attendre. Oh là là, dépêche-toi. Attends, moi j'ai des jambes, mais je vais plus vite. Oui, en plus. Non, t'as les oreilles de lapin.
On j'ai l'impression qu'on les vend, mais les oreilles de lapin, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est le must. Je veux dire. Vous voulez acheter des. Vous voulez aller plus vite que le vent, plus vite que le temps? Achetez nos oreilles de lapin! En courant, plus vite. Il aura le temps de tout faire. Tout. Oh, t'as même pas besoin de le truc au bout d'un moment parce que tu vois. Ouais, on voit là, échelle, pas échelle, échelle, pas échelle. Non, on les voit sur le côté. Yeah. Allez hop, attends, non, mais c'est bon. Il y en a qui sont piégés, donc faut que je sache où est-ce qu'ils passent. Ils sont pas piégés, aucune. T'es sûr? Bah oui, moi j'ai jamais eu de. J'ai jamais eu de piège, je veux dire. Non. Bon, alors comment on fait déjà? De là, je saute à là ou je saute sur le. Faut que tu sautes sec, qui se rapproche près. Pas. Je. Vas-y. Je penche le truc en faisant comme ça et. Viens! Voilà. Après, attention. Faut que tu limite Mario Galaxy ce niveau-là. Ouais. Faut que tu prennes les autres qui se rapprochent. Enfin, je me suis. Attends. Tu vois qu'il y en a pas une qui est genre invisible? Non. C'est juste escalier, hein. Bon, bah. Eh non, putain. Fallait monter sur le petit qui bouge là. Voilà, on peut pas grimper dessus, c'est ça qui est chiant. Oui, c'est un des seuls trucs qui était en. Je vais dire un gros mot. Qui était embêtant. Bah, en fait, faut que tu montes sur les petits qui tournent autour et qui se rapprochent vachement. D'accord. Normalement, là, Link est mort. Hypothermie. Toi, en fait, c'est faut pas que tu sautes sur les grands. Bah non, c'est les petits qui bougent. D'accord. C'est tout. Tu sautes sur le premier et après tu te sers de lui comme tremplin pour les petits. Non. Ouh. T'as le petit là qui tourne là, ouais. Bah c'est lui que tu dois te servir. Bon, tu veux qu'attendre. Ouais. T'sais non, je suis. Bah, vu les effets de neige et tout. L'ambiance et tout, vachement bien. Je suis là aussi encore un truc que je suis impatient de voir sur 3DS. Ouais, c'est quand sûr. Tu vois le jeu comme ça, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, moi c'est. Non. Oh. Hé, hey, ça va, calme-toi. Ah non, mais attends. Oh, je suis dans le jeu de plateforme, ni ni ni. Ouais, quand c'est en 3D. Tu t'es vexé? Tu veux que je te foute? Quoi? Quoi, foutre quoi? Mon épée dans la gueule. Oui, bah vas-y, vas-y! Tu vas retomber! Tu vas retomber! Tu vas retomber! Allez, il va tomber! Tombe! Ça peut marcher aussi, tu sais. Il est pas tombé. Ah, zut alors. Allez, là, tu sautes. Saute. Attends. Voilà, tu t'es éloigné. Putain, c'est bon. Pourquoi t'es pas là? La ferme. Oh, l'autre. Comment il est vénère. Oh, l'autre. Vénère, tu te crois en quelle année? En 2005? Bon, c'est... Oh, c'est pas comme si j'étais en 1970, hein, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, hein. Mais parce que tu dis vénère, après tu vas faire de la tectonique, c'est ça? Ah, c'est super vieux ça, j'en ai jamais fait. Au goût du goût, de, goût du ça goût, a duré combien de temps cette. Ah non, on peut plus sûrement. Non, je crois que ça a duré que 6 mois. Bah, j'avais demandé, je sais plus à qui, mais on m'avait dit 6 mois ça a duré. Bah alors pourquoi tu me demandes? Pour savoir si je savais. D'accord, le bouclier ça aide pas vraiment. Un petit peu, mais pas trop. Je penche de l'autre côté pour avoir un petit peu de sûreté. Ah si, ça aide, ça freine. Ça aide un petit peu, ça. Ça freine. Ça freine, ouais. Bah maintenant tu peux sauter. Alors là, si tu rates, là c'est. Ah. Bon, voilà. Donc en fait, notre petit monocle. Hein? Bah attends, comment il peut l'utiliser en montant? Ça pour la magie du monocle. Ah, parce que normalement, tu vois, c'est comme. C'est comme une. Aide-moi, Valentin. Une. Tu sais, pour voir de plus près. Je crois qu'il va falloir peut-être s'arrêter là. Parce qu'on a vachement dépassé le temps, je viens de voir. Bah, on va attendre d'être arrivé au sommet quand même. D'accord.
Bon, après tout le stress que tu m'as su fait subir. Oh, on serait arrivé déjà depuis longtemps si t'arrivais à sauter, hein. Tu te souviens du chemin à prendre? Non. Ah, ouh, j'ai bien fait le lien, enfin bon, c'est pas le cas. Coup de chance, d'accord, mais. Oui, oui, oui. Il faut pas que tu m'énerves parce que je vais bientôt être à court de mana. D'accord, et tu. Voilà. Je m'en souvenais pas, mais. Ouais. J'ai fait une seule faute, hein. Ouais, ouais. Faut le voir. Ils sont déjà froids et je dis. Ça y est. Je crois qu'il y en a un qui est mort. Bah, l'autre il est gelé, hein. Ah, ouais. Pourquoi ça. Bah, oui. Ici, ces trois leçons du plus grand héros Goron. Il dirige un grand million pour ses héros, mais la route du retour a été bloquée par la neige. Je ne peux pas retourner au village Goron. En plus, mon frère était gelé dans un bloc de glace. Quel genre de merde. Oui. La chose a été. Je vais pas tomber. C'est trop lourd, c'est pour ça qu'on dit. Je vais faire une pierre brûlée, comprends pas. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette. Ouais. Partie. Deuxième partie de Majora's Mask. Donc la prochaine fois, on aura notre masque de Goron. Ouais, on ira récupérer. Allez, vous appréciez. À bientôt. À demain. Ou te tuer avec. Ça arrive occasionnellement. C'est... Mais tu te souviens, c'est... Alors, c'est le masque explosion. Donc oui, il fait exploser, quoi, comme les bombes. Et ça consomme la barre d'énergie, hein. Le problème, c'est que ça peut tuer, hein, si je me souviens bien, hein, ouais. Parce que tu t'exploses vraiment, c'est un truc kamikaze en fait. Bon, on va directement aller, tu sors dehors direct, que là on a, oui, voilà, on doit aller aussitôt avec des arcs-en-ciel. Moi j'avais rendu une vache carnivore. T'es fort, hein. Putain, ta vache, qu'est-ce qu'elle était horrible, elle chie sur les maisons des gens. Et... Bon, on va faire quoi? Ah, il a bouffé de la lave, ton. Ah, on va peut-être être trop basse là. Bah, ça fait trois fois que tu le dis, hein, donc. Non, mais force, bon! Avance, peut-être que tu vas avoir raison. Ah, bah oui, là c'est bon. Tu crois? Oh non! C'est Pong. Oh mon non, pas Pong. Allez, vas-y! Brick Blaster.